thank you Allez, salut, salut les gars, voilà, ça tout le et vous avez vu l'écran, vous avez vu la tête, et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Ressort 225. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes là juste pour vous parler d'une bourse, voilà, et c'est la bourse de mines et technologies de Huzu, technologie de qui est en Chine. Je me suis basé vraiment sur cette bourse-là, ou bien cette université, parce que cette université vraiment accorde assez d'opportunités et de bourses aux étudiants étrangers, voilà, donc, euh, je l'ai sélectionné pour vous faire un peu. Euh, un récapitulatif de tout ce qui va se passer et un récapitulatif de comment est-ce que vous pouvez postuler dans une université en Chine. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question. C'est vrai, là-bas, les sélections sont assez légères, mais il y a assez de documents vraiment qu'il faut fournir pour pouvoir participer à ces offres-là. Voilà, donc, moi, je vais aller un peu plus vite et je vais vous donner les documents dont vous avez besoin pour l'université de Mine et Technologie de Rousseau. Et n'oubliez pas, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de liker la vidéo, essayez aussi de vous abonner ou bien de partager à ceux vraiment qui en ont besoin. Voilà, donc pour postuler à cette bourse-là, comme je l'ai dit, il y a de, de façon primordiale d'abord le passeport. Ici, si la carte dentée ne, passe, ne passera pas. Et même si vous mettez la carte dentée et que vous êtes sélectionné sur la base de vos documents, euh, il y aura vraiment un problème si vous n'avez pas de passeport direct. Voilà, parce que la sélection passe assez vite dans cette université-là. Voilà, donc comme je l'ai dit, et n'oubliez pas, la bourse prend en charge et euh, la scolarité et une allocation mensuelle. C'est-à-dire que chaque fin de mois, vous recevez euh, une petite somme pour vous euh, dégarner un peu ou bien vous débrouiller là-bas dans votre université ou bien dans votre ville. Voilà, et je rappelle encore, moi, le conseil que je donne, c'est que euh, ces frais-là qu'on vous, qu vous donne pour l'allocation mensuelle ne peuvent pas vraiment vous aider à ce qui concerne le logement et tout, tout et vous-même vous nourrir, vous comprenez c'est pourquoi je dis tout le temps que vous-même, vous devez avoir un apport sur vous ou un soutien pour que vous puissiez aller étudier à l'étranger. C'est assez important, les gars. Voilà donc, les do le documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, comme je l'ai dit, il y a le passeport et il y a le diplôme Il les relevés des notes. Mais ici, le diplôme et les relevés de notes, si vous voulez, vous pouvez les légaliser, les certifier. Mais dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas, vous pouvez tout mettre en ligne et après sélection, vous allez pouvoir les faire. Et après cela, il y a le CV pour le master, Voilà. Et il y a aussi, euh, comme je l'ai dit, il y a un casier judiciaire aussi. Pour ceux qui veulent vraiment postuler, il y a un casier judiciaire. Et le casier judiciaire, pour ceux qui vont me poser la question à savoir où est-ce qu'on peut faire le casier judiciaire, voilà, je crois que vous allez pouvoir le faire euh, là-bas, au ministère de la Justice, dans votre pays. Et après cela, il y a aussi des tests médicaux. Les tests médicaux, il y a différents types de, de tests que vous devez faire, c'est-à-dire en ce qui concerne le VIH sida, en ce qui concerne aussi la tuberculose, et aussi, en ce qui concerne les types d'hépatite, hépatite A, B ou bien C. Voilà, donc si vous regroupez cela, de toute façon, moi je vais mettre le lien en commentaire ou bien dans la description. Je dis bien commentaire ou description. Donc essayez de voir là-bas et ne m'écrivez pas pour demander le lien. Le lien est en description ou bien en commentaire. Voilà, donc vous pouvez le lire et vous-même, vous allez y aller pour pouvoir essayer de procéder. Mais ici, moi je vous donne juste... Les, euh, les conditions et aussi les éléments dont vous devez apporter pour pouvoir poursuivre cette bourse-là. Voilà, donc, comme je le disais, si on veut faire un récapitulatif, on a quoi On a le passeport, on a le diplôme et les relevés de notes. Et il y a aussi euh, un casier judiciaire, il y a euh, les tests médicaux que vous devez faire. Et comme je l'ai dit, il y aura un garant financier. Pourquoi un garant financier Un garant financier parce que, comme je vous l'ai dit, la bourse prend en charge que la scolarité et aussi une petite allocation pour, pour vous. Donc, ce qui veut dire que, en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne le voyage, en ce qui concerne tout ce qui va se passer là-bas, euh, les tests d'assurance maladie, tout ça, dans l'université, c'est l'étudiant même qui va s'en charger. Ce qui veut dire que vous devez vraiment avoir euh, un garant financier, une personne qui va vous apporter son soutien lorsque vous serez là-bas. Et cette personne-là, vous devez avoir euh, les relevés bancaires des six derniers mois de cette personne et une déclaration de la banque qui dit que cette personne possède telle somme sur son compte. Voilà, et je rappelle encore que le, le, le montant n'est pas fixé, mais avec 5 millions de francs CFA, je crois que ça va, ça, ça peut aller, ou bien même 3 millions, 4 millions, je crois que ça peut aller dans le compte du Garant. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça, n'oubliez pas. Si vous postulez, s'il vous plaît, je le répète encore, je vais le redire encore. Essayez, essayez vraiment de euh, traduire vos documents en anglais. Même si vous allez, lorsque vous êtes sélectionné, vous allez faire le cours de langue de langue chinoise, mais essayez au moins d'avoir vos documents en anglais. Traduisez les documents en anglais avant de les mettre en ligne pour qu'on puisse faire la sélection. C'est assez important. Ok, donc les gars, c'était bon de Pita. et n'oubliez pas, nous sommes là aussi pour conseiller pour ceux qui ne peuvent pas conseiller, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à maîtriser les sites, pour ceux qui veulent vraiment qu'on les suive parce que nous sommes assez expérimentés. Nous sommes là et n'oubliez pas à plus surtout prenez soin de vous les gars